Hello les amis, bienvenue dans ce 13e épisode des questions du mardi. Déjà 13 épisodes et pourtant j'ai encore pas mal de questions à répondre, mais bon, ça va, j'ai réussi à bien avancer. Ne perdons pas de temps et commençons tout de suite donc par vos questions. La première question qu'on traitera aujourd'hui est de Frédéric Gigot. Connais-tu l'album de Patrick Juvet, Chrysalide, sorti en 1974, sur lequel Daniel Balavoine a participé aux musiques et au cœur de l'album? Je pense que tu parles donc de ce disque-là, le fameux Chrysalide de Patrick Juvet. Donc oui, l'histoire est très très simple. Balavoine était choriste pour Patrick Juvet. Patrick Juvet lui a autorisé à chanter complètement une chanson où Patrick Juvet ne l'accompagnait qu'au piano. Donc le chanteur, ce n'est pas Patrick Juvet sur la chanson Couleur d'automne, mais c'est Daniel Balavoine, voilà. Et Balavoine lui a écrit d'ailleurs d'autres chansons, il était choré sur cet album, et Balavoine était choriste sur pas mal de disques à l'époque, que ce soit chez Vogue ou même sur d'autres labels. Hein. Lui et son frère, en fait, comme ils avaient des voix assez hautes, c'était très très recherché en tant que choriste. C'est d'ailleurs cette chanson et cet album qui vont permettre en fait que Léo Missire le repère et lui fasse signer chez Barclay justement un album qui ne marchera pas non plus et qui est un joli petit collector. La question suivante est de Billy Bob. Tu es fan de Daniel Balavoine. Possèdes-tu des disques du groupe Présence ? Et oui, alors là on reste sur Balavoine, en effet, vous me posez des questions dessus. Présence, en effet, était donc le groupe pour lequel Balavoine a enregistré, même s'il avait fait partie d'autres groupes, des groupes de bal et tout ça, mais n'a pas laissé de traces enregistrées, justement. Donc Présence, bien sûr, donc j'ai forcément le 45 tours donc, que Balavoine avait enregistré avec, voilà. Il faut savoir d'ailleurs que lorsque Présence recherchait un chanteur pour ce 45 tours, parmi les candidats potentiels, il y avait également un certain Laurent Voulzy. Et c'est Balavoine qui a gagné contre Voulzy. C'est assez marrant. Et sinon, oui, j'ai un autre 45 tours de ce groupe, justement, qui était sorti un petit peu avant, je crois. Voilà, il y a également un 30 cm qui existe, qui se trouve aussi... Alors c'est vrai que ce 45 tours là est quand même assez coté, voilà. Moi je l'avais chopé je crois à 30 € à l'époque et ça c'était avant que le vinyle fasse son comeback. Donc c'est quand même un 45 tours qui est relativement introuvable sous ce pressage là original donc de 71. Les chansons se trouvent très facilement dans des rééditions vinyle ou CD, hein. Ça c'est déjà un petit peu moins rare quoi. La question suivante est également donc de Billy Bob. Tu possèdes un 45 tours de John Children, le premier groupe donc à Mark Bolan. Est-ce parce que tu connaissais ou bien c'est en faisant des recherches parce que tu aimes bien T-Rex? As-tu d'autres disques dans ce style psyché anglais? Oui, tu avais repéré d'ailleurs dans les disques qui étaient derrière moi à l'époque, avant que je re-organise mon classement, ce 45 tours donc de John Children. Donc on voit à droite un certain Mark Bolan du groupe T-Rex qui était présent justement là-dessus. Alors moi je l'ai surtout pris bien sûr parce que il y a justement Mark Bolan qui était dessus. Je n'ai pas d'autres 45 tours de psyché anglais parce que ce genre de 45 tours là se trouve pas facilement. Ça, j'avais trouvé ça dans une brocante dans mon petit village où j'avais grandi, mais pareil, c'était avant donc le grand retour du disque vinyle. C'est quand même pas le 45 tours sur lequel tu tombes souvent en brocante. Ça se trouve sur le net, j'ai regardé, il n'est pas non plus avec une cote exceptionnelle, mais ça ne se trouve pas comme ça dans n'importe quelle brocante parce que bah voilà, c'est... en France on achetait plutôt du Claude François et compagnie dans les années 60 que ce genre de 45 tours quoi. La question suivante est de Vinyl Paradis. Quels sont les trois groupes populaires que tu n'apprécies pas? Trois groupes que je n'aime pas, en fait il y a des styles que j'apprécie moins ou des artistes que j'ai jamais aimés, voilà. Parmi ceux où j'ai revendu les disques alors que j'en avais certains, il y a Kiss. Alors Kiss, à part leur succès I Was Made For Loving You, qui pour moi est plus de l'ordre du disco d'ailleurs que du rock, hein, soit dit en passant, j'accroche pas, voilà. J'ai revendu tout ce que j'avais d'eux. Bon, j'avais également l'album qui est relativement mauvais, entre guillemets, celui qui était la musique pour un film d'horreur. Que le film n'est jamais sorti, ils ont sorti l'album qui correspondait. C'était vraiment le disque, si tu voulais découvrir Kiss avec ça, bah t'as l'image que moi j'ai. Et finalement, je ne suis jamais pensé sur les autres disques parce que ce que moi je connais musicalement, voilà, c'est pas du rock. Je suis désolé.
Le deuxième, où j'ai revendu d'ailleurs les albums, alors que je les avais en plus, c'est ma compagne qui les a revendus pour 1€ pièce, le gars qui a acheté ça, il devait être content, c'est The Cure. C'est pas mon style musical, alors il y a quelques singles radio que j'aime bien d'eux, mais de là à garder les albums, moi je trouve ça... Voilà, je les écoute pas, donc je me suis dit autant faire de la place dans ma collection et que ça serve à quelqu'un qui les recherche. Pareil, on garde parfois des disques dans sa collection, en fait ce qu'on fait c'est on les bloque. Et moi je trouve que les disques, ceux qu'on n'écoute pas, vaut mieux s'en débarrasser, les ramener chez son disquaire ou les vendre ou quoi que ce soit, pour que d'autres puissent les avoir. Ça évite justement de bloquer des disques inutilement et de faire que certains disques sont parfois introuvables. Et le troisième, et là c'est pareil, je vais me faire tirer dessus en disant ça. Alors j'avais noté au crayon AA. Ça c'est un groupe, j'ai jamais pu l'encadrer. Déjà depuis que je suis gamin, déjà le nom j'ai trouvé stupide. Et autant c'est un groupe des années 80 qui est correct quoi, au même niveau que les autres. Je sais pas, j'ai jamais pu encadrer ce groupe pour je ne sais pas quelle raison. Voilà. Mais je vais pas prendre AA parce que voilà, je vais prendre un grand groupe qui est renommé mais que je n'aime pas. C'est Radiohead. Ouais, alors, non, j'accroche pas, désolé, pareil, les succès radio et tout ça, oui, ça va, c'est sympa, je peux les écouter, mais j'attendais énormément du OK Computer, quand on me l'a toujours vendu comme un excellent disque, et quand je l'ai écouté, j'ai pas accroché du tout, quoi. Donc, voilà, mais après, c'est pareil, c'est une question de sensibilité et d'appréciation. Il y a des genres que vous n'appréciez pas parce que c'est pas votre style de musique. Vous n'êtes pas sensible à ce genre de musique, donc voilà, c'est pas que c'est mauvais, c'est juste que j'apprécie pas. Voilà. Et la dernière question donc pour aujourd'hui est encore de Vinyle Paradis. Quels sont tes trois titres favoris de Suzy Quatro? Trois chansons de Suzy Quatro, ça fait pas beaucoup. Parmi celles que j'ai vraiment dû écouter énormément, il y a Michael qui est sur l'album Your Mama Won't Like Me, qui termine d'ailleurs l'album, qui est une chanson plus personnelle qu'elle avait écrite à la suite d'une rupture. C'est une chanson qui est très très influencée par le côté Hey Jude, avec à la fin un refrain qui tourne en boucle sur d'ailleurs je crois les mêmes accords que Hey Jude, donc c'est assez marrant quoi. Vraiment une très très belle chanson. Il y a Suicide en anglais, Suicide, qui était sur l'album If You Knew Suzy, que je vous avais déjà montré quand je l'avais racheté, qui est sans doute le texte le plus intéressant qu'elle a dû écrire elle dans ses compos personnels. Parce qu'il faut savoir que ces albums à Suzy Quatro, ils sont formés de quelques singles donc, qui étaient écrits par Chinee Chapman, et après le reste c'est soit des reprises, et en général de bonnes reprises qui, je vais pas dire, renvoient l'original au placard, mais au moins du même niveau, et des compos personnels donc qu'elle avait écrits pour la plupart pour les albums traditionnels avec son mari d'époque, et enfin mari et guitariste d'époque. Et celle-ci, Suicide, c'était vraiment sans doute l'une des plus intéressantes, à la fois d'un point de vue arrangement, d'un point de vue texte, d'un point de vue musique, enfin voilà. Et la dernière justement, c'est sur un de ses derniers albums, pareil aussi une chanson calme. En fait je crois que, c'est pas que je préfère les chansons calmes de Suzy Quatro, j'aime bien les chansons rock, mais s'il y en a certaines que je dois retenir qui me parlent vraiment, elle s'appelle Someone Love Is Letting Go. C'est vraiment une chanson faite au piano avec trois accords, et Suzy Quatro est capable avec des accords élémentaires et très basiques de faire une chanson qui te tire les larmes. C'est fou quoi. Alors qu'on la connaît aussi comme reine du rock'n'roll. Et il y avait un passage d'ailleurs dans Happy Days, Suzy Quatro avait participé à cet épisode-là, et elle revient et elle joue juste un truc au piano. T'as des images de l'acteur et elle en arrière-plan sur un truc qui est vraiment en trois accords, ça va être la, ré et mi, les accords en majeur, tu vois. Et putain, ça tire les larmes quoi. Alors qu'elle est en majeur avec des accords élémentaires, tu peux pas faire plus simple. Et ça passe. Et pareil, cette chanson, elle me parle toujours comme ça, elle touche au cœur, voilà. C'est pas que j'aime pas par exemple les singles, et autant les premiers singles, Can The Can et tout ça, c'était très bon. Il y a eu des singles qui n'ont pas marché, qui étaient très bons également, je pense à Your Mama Won't Like Me, mais après ça, il y a aussi eu des singles fin des années 70, où voilà quoi, c'est poussif, hein. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Donc d'ici peu, je vais donc troquer ce chapeau contre le chapeau noir qui est sur sa pause de vacances. D'ici là, portez-vous bien, longue vie au disque vinyle, et à bientôt !